nouvelle aventure qui s'écrit à chaque fois sous nos yeux. La team Dada vous retrouve au micro pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Au menu, c'est une affiche en mode club. C'est une ambiance assez extraordinaire et ça va être donc un rendez-vous exceptionnel. Et oui, c'est un privilège de commenter ce match avec une grande personne comme vous. Surtout par la taille. On espère que ce match sera aussi grand que vous. Et la frappe était puissante, mais malheureusement, ce n'est pas cadré. Bien fait de tenter sa chance. Mais à cette distance, c'est pas évident de cadrer. Jakobsen. Ah là là, la mauvaise passe. Allez, peut-être une occasion de but à venir. Oh là là, et cette frappe est complètement dévissée. Elle passe très très loin des poteaux. Loin des poteaux de but, ça c'est clair. En revanche, pour les poteaux de corner, pour le coup, on y est. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand-chose, franchement, en annonçant une grande rencontre de sa part. L'essence super de football, c'est le but. Alors, quand tu en marques autant dans un même club, on t'aime comme un puits de pétrole. Tu nous réchauffes comme une centrale électrique. Super pressing et la récupération très haute. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ouais, bonne prise de balle sur ce centre. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Jakobsen. Ah, c'est bien joué, il y a une bonne progression. Et le bon centre là, peut-être. Elle la passe en profondeur, c'est dangereux. Elle a bonne intervention pour couper net cette offensive. Bah, c'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Et c'est un ballon en sortie de but. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Et on lève la tête là, peut-être un centre. Et voilà un ballon bien gratté là. Ballon dangereux en profondeur. Le centre vers la surface de réparation. Quelle tête, on l'a presque vu dedans. Et finalement, ça va à côté. Au final, ça passe très près du montant. Ah, il a des options qui s'offrent à lui. Ah, il y avait de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça en fait. Jakobsen. Ouais, bonne circulation là pour déstabiliser la défense. Ouais, le ballon leur échappe. Avec un peu de chance sur ce côté. Pas bien joué ce centre, c'est pour le gardien.
Le ballon en touche. Le ballon change de camp. Le drapeau qui s'est levé, hors jeu signalé. La passe a été donnée trop tôt. Ça lui a pas laissé le temps de se replacer. Jakobsen. Oh, le ballon intéressant. Et voilà, face à face, plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ce ne sont pas vraiment des frappes qu'on voit. C'est plutôt une sorte de... je sais pas. Il faut donner de l'énergie, un peu plus de vigueur dans ce match. Oui, voilà, ça combine. Il va falloir déclencher, là. Et ce ballon qui est perdu. Et oui, c'est bien vu, ça. Bien défendu, mais le ballon revient. L'attaque se poursuit, balle au pied. Et le danger bien repoussé par le gardien. Une minute de temps additionnel. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Et pas de carton, juste un avertissement verbal, mais la prochaine fois, elle n'hésitera pas. Ah, j'avoue, je l'ai pas vu, on n'a pas été intelligent là. Bon, personne l'a vu. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période. Donné à l'instant. Et voilà une occasion de peut-être prendre l'avantage avec ce corner. Ça va vers le point de pénalty. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Oui, c'est contré. Bonne défense. On revoit ce corner, c'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. Bon vieux dégagement en touche. Jakobsen. Et voilà le bon ballon dans la profondeur. Quel arrêt splendide, énorme réflexe. Eh oui, en plus à cette distance, c'est grandiose. Allez, bien frappé ce corner. Le danger est éloigné. Oh, le ballon qui est perdu. Allez, il faut l'aider, lui proposer des solutions. C'est bien défendu. Le
ballon est récupéré. La passe par-dessus, c'est dangereux ça. Et le but tellement évident. Eh, tant mieux. C'est vrai, moi aussi je voyais en jeu, mais tant mieux. Et avec ce but, score de parité, un partout. Il le concentre là, peut-être. Goal ! Et une nouvelle fois, les voilà devant. Maintenant, il va falloir garder cette avance. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond des filets. Et pourquoi pas un tir pour la frappe. Et oui, but, l'égalisation. Voilà un match enflammé. Techniquement, c'est sûr, ce n'est pas le plus difficile. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur, c'est d'avoir eu l'idée de te placer ici. Ah, c'est un centre en première intention. Et c'est au fond le triplé. Exceptionnel. Quelle grande classe. Quel talent. Le centre dans la boîte qui vient apporter le danger devant le but avec toute la défense qui se regarde un peu sur ce coup. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête et ça part au fond des filets. Magnifique. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Ouais, il est passé, c'est bien fait. C'est contré. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Et la possession change de camp. L'arbitre laisse l'avantage. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Ouais, ballon pour une frappe. Vraiment pas de danger sur ce ballon, c'est pour le gardien. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, il faut centrer là-dessus. Bien défendu, le ballon est récupéré. Excellente l'intervention dans la surface. Mais l'arbitre laisse jouer, avantage. Les chiffres de possession sont intéressants. Depuis un quart d'heure, l'équipe locale a pris le match en main. On sent beaucoup d'intensité de leur part. La domination s'est vraiment accentuée. Peut-être l'égalisation avant la fin du match. Et oui, il y a peut-être une nouvelle situation intéressante. Oui, bonne intervention. Et une occasion de contre à négocier. La défense peine à redescendre sur ce contre. Quelle intervention absolument décisive. Jakobsen. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Récupération du ballon. À une tête malheureusement mal ajustée. La différence entre les deux équipes, ce n'est pas grand-chose. Un seul but, tout peut encore évoluer. Allez, hors-jeu, c'est hors-jeu.
balle est interceptée. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Et c'est dans la boîte, en première intention. Bonne intervention, le danger s'éloigne. Le temps passe, le chrono tourne, mais l'égalisation peut être sur cette attaque. Bah, l'action était bien partie, et finalement, c'est perdu. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus? Ouais, bon pressing, ce ballon est perdu et ils vont pouvoir se projeter en attaque. Oh, le but dans les dernières secondes! Ce but de l'égalisation! Oh, il va siffler. Oh, bien joué. Et voilà l'arbitre qui siffle la fin de ce match. C'est donc un résultat nul. On a vu des séquences intéressantes, quelques tentatives, mais au final, ça ne suffit pas. Oui, on aurait tous voulu qu'il y ait un vainqueur dans ce match, mais finalement, trop d'hésitation des deux côtés.